Des animaux chauds, des bottines, à terre, y'a plus rien que des épines. Les poissons font la planche, les oiseaux tombent des branches, les animaux sont pas contents, le vétérinaire fait des bonnes affaires, y'a pas des dons. Le développement gruge les collines, les animaux sont pas contents. Drax, c'est là, en Angleterre. C'était à une époque la plus grande centrale à charbon d'Europe. Désormais, elle brûle du bois. Chaque jour, elle engloutit l'équivalent de 50 000 arbres. Impossible d'en trouver autant au Royaume-Uni. C'est plus que la production de tout le pays. Alors ils le font venir des États-Unis. Ils y ont implanté 6 usines qui transforment les forêts en granulés. Et ils les ramènent par bateau. Plus de 4 millions de tonnes de granulés chaque année. Et ça ne suffit toujours pas. Alors, ils viennent d'en racheter 11 autres usines pour produire toujours plus. Gardanne en France, c'est la même idée. Brûler du bois au lieu du charbon. C'est toujours une combustion. Cela produit des gaz à effet de serre. Et en plus, le bois rejette beaucoup de particules fines dans l'atmosphère. Le bois, c'est beaucoup plus polluant que le charbon. Les particules fines sont plus graves avec le bois qu'avec le charbon. 500 scientifiques du monde entier viennent d'écrire à la Commission européenne pour alerter sur les dégâts du bois énergie. De fraîche envie des bois et de lune, les animaux pour un arbre. À tous les jours, c'est ça qui meurt, les vitamines d'usine qui vont amener. Les poissons font la planche, les oiseaux font des brins, les animaux s'en prendent. Donc on a une forêt très diversifiée, c'est une chance pour la séquestration de carbone, 20% des émissions annuelles de carbone. Mais c'est pas bon pour le business. Mais pour le business, c'est plus compliqué, ouais. Il faut gérer la diversité, ouais. Donc c'est moins simple. Alors vous, l'économiste, le coordinateur de cette filière, vous avez un regard général, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Encore une fois, c'est vraiment privilégier les produits à valeur ajoutée pour lesquels il faut de l'innovation, de la matière grise. C'est quoi les produits à valeur ajoutée? Ben, c'est tous les produits dans lesquels il y a du design, où il y a... Ah oui, retravailler le bois derrière. Apporter des solutions dans la domaine de la construction. Il n'y a pas que la forêt, il y a derrière effectivement le travail de produits finis. Le vétérinaire fait des bonnes affaires, le propriétaire contrôle les locataires, le gros réel giga a convaincu ma mère, ils ont pas des dents. Non. En vrai ou à distance, commandez maintenant la forêt et payez plus tard.